peut faire le tour, genre qui est qui, rapidement. Et qu'est-ce qu'ils font? Moi, je sais plus qui. Non, mais justement, je leur redemande. Pas les interroger, parce que déjà tu les as interrogés. Moi, je vais aller les voir. Ouais, voilà. Juste soit prendre des petites vidéos, soit prendre des petites photos d'ambiance, soit. Ou alors je fais un stop et je dis voilà, eux ils sont en train de faire ça. Voilà par exemple. Ouais. Mais ne pas, faut pas les solliciter quoi. Non, je les calape, je leur parle pas. Je les calape pas. Je les calape pas. Donc tu vois, si j'ai. Ah ouais, bon, faites ça. Il y en a marre de voir la main, je crois. Ah, elle aime bien laisser la tranquille. Vraiment, moi je pense que. Ouais, genre sur le coup, je me demande. Comme ils veulent parler de nous. Mais c'est qu'il n'y a aucune intention. Ouais, de toujours jouer un petit peu d'assistante sociale. Même quand t'as l'air dans un endroit, pas besoin. On attend de toi dans les concours. Personne ne te briefe là-dessus en fait. Établir, enfin, créer un espèce de. Enfin, établir un réseau quoi. Je suis pas sûr d'être pas conscient et on présente un projet de nous. Chacun après il met ce qu'il veut. Voilà. Ah bah tiens, ils ont pensé à un tel. J'ai dit, moi c'est chacun. Est-ce qu'il y a des listes? Y a-t-il avec les slameurs prendre le témoignage des personnes sur place. Quoi, de Pompienne. Dans un peu de temps, c'est le 20 octobre. Disons-nous les choses, dans les locaux du Bondy Blog, nous sommes en compagnie de Monsieur Alban et je suis en compagnie de Mademoiselle Amanda. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Monsieur Alban, comment vas-tu? Très très bien aussi. Nous avons une série de questions à te poser, notamment concernant les thèmes de la diversité dans les médias. Amanda. Alors Alban, déjà, est-ce que tu peux nous présenter qui t'es, d'où tu viens, ce que tu fais? Alors, je suis journaliste, j'ai 30 ans. J'ai commencé en fait ce métier. Ce qui m'a vraiment introduit dans le métier, c'était ce qu'on appelle la prépa égalité des chances, qui est justement faite pour aider la diversité à trouver sa place dans le journalisme et qui a été mise en place avec l'ESJ Lille, donc l'une des deux plus prestigieuses écoles de journalisme de France, en lien avec le Bondy Blog. Donc c'est comme ça que j'ai connu le Bondy Blog à l'origine. Ça fait 5-6 ans maintenant. Donc voilà. Le temps a passé, je suis devenu journaliste, je suis passé par la presse locale dans une autre ville, à Lyon. Et je suis revenu à Paris depuis peu, donc voilà, j'ai atterri ici. Maintenant je suis pigiste et j'essaye de gagner ma croûte en écrivant. Justement, en parlant de diversité, trouves-tu qu'il y en a assez dans les médias aujourd'hui ? Alors, c'est pas comme si j'avais 30 ans d'expérience derrière moi, donc je vais parler de ma petite expérience. Clairement, il n'y en a pas encore assez. Il n'y en a pas encore assez. Mais ça a changé. Déjà, depuis 5 ou 6 ans, moi, j'en vois plus. On commence à voir de plus en plus des noms maghrébins à la télé. Il y a des Laila Kadour, il y avait aussi eu des Harry Roselmack. Il y en a de plus en plus. Et surtout, il y a une nouvelle génération de journalistes dans lesquels il y a de plus en plus d'enfants issus de l'immigration. Je pense notamment ceux qui sortent des programmes comme la prépa égalité des chances, mais pas uniquement. Il y en a aussi qui font leur chemin sans passer par des programmes de discrimination positive. Et donc, les choses évoluent. Mais du coup, j'ai une question liée à ce que tu viens de dire. Est-ce que grâce à ces programmes-là qui... En gros, remettre un peu d'égalité, une égalité scolaire qui a à la base, qui remette un équilibre là-dessus. Est-ce que, une fois que tu as intégré les écoles, il n'y a pas d'autres embûches qui s'ouvrent à toi? Bien sûr. Bon, après, moi personnellement, je suis pas, moi personnellement, je suis un jeune homme blanc
Donc c'est pas forcément quelque chose duquel j'ai trop souffert finalement. En revanche, je sais que effectivement derrière, notamment j'ai bossé en presse quotidienne régionale, donc à Lyon, dans le quotidien Le Progrès. Et là-bas, c'est vrai que la diversité, c'est quasi inexistant. Il y en a quelques-uns, c'est des jeunes d'ailleurs, tous des jeunes. Il n'y a aucune personne de plus de 30 ans qui s'appelle Karim ou Leïla ou Fatma. Mais il y en a très peu. Il y en a très peu, effectivement. Et je pense que une fois sorti des écoles, c'est pas forcément... comment dire, c'est pas forcément... Il y aura toujours des barrières. Il y aura toujours des barrières et il y aura toujours des questions de discrimination. Mais après, voilà, je pense sincèrement que ces discriminations ne sont pas des discriminations qui sont purement liées à la couleur des gens, mais c'est des discriminations qui sont plutôt finalement sociales ou liées à la culture de l'entreprise, liées à la façon dont que les médias ont de voir le monde et peut-être qui peut entrer en confrontation avec la façon dont une nouvelle génération de journalistes qui pour certains viennent pas forcément de milieux favorisés ou sont pas forcément fils de profs qui peuvent apporter une nouvelle vision et que cette vision là peut elle un peu entrer en conflit avec la vision un peu plus traditionnelle que peuvent avoir les médias. Moi en tout cas c'est ce que j'ai pu constater dans un média comme Le Progrès. Tu nous as parlé de Harry Roselmack. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que... Enfin, ok, TF1 a intégré Harry Roselmack, mais est-ce que tu penses que, en dépit du fait qu'ils ont intégré quelqu'un de la diversité, le traitement médiatique a changé ? Non. Non, non. Et pour le coup, je pense pas que... Enfin, comment dire, il me semble pas qu'Harry Roselmack ait apporté un regard nouveau ou apporté... il me semble pas qu'il y ait eu une inflexion de la ligne éditoriale avec son arrivée. Je veux dire, c'est vraiment, on a mis un visage coloré pour dire les choses comme moi, en tout cas, je pense qu'elles sont. Hein. Mais qu'on le veuille ou non, alors on peut critiquer, on peut dire oui, c'est que de la façade. On a mis un black comme ça, les gens sont contents et puis comme ça, on a mis le quota, etc., etc. C'est vrai, peut-être qu'il y a un peu de ça, mais qu'on le veuille ou non, ça change un peu les choses au moins, parce que maintenant le gamin qui regarde la télé, eh ben, il va voir un black qui présente le journal télévisé de TF1, donc ça change quelque chose, donc il y en a qui peuvent se reconnaître dedans qui ne pouvaient absolument pas le faire avant. Alors oui, bien sûr, ça reste une peinture de façade, mais c'est déjà quelque chose. Ensuite, après, pour un changement plus profond de ligne éditoriale, etc., je pense de toute façon que là il s'agit d'une question de... C'est des changements qui sont plus profonds en fait, c'est des changements culturels et qui vont se faire qu'avec l'arrivée justement d'une nouvelle génération de journalistes qui, eux, pourront tirer peu à peu la couverture à eux et qui pourront, intégrer leur vision du monde et faire évoluer en fait les choses. En parlant de vision du monde, est-ce que tu trouves, quand on parle de diversité dans les médias, est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de diversité des thèmes abordés par les médias ? Puisque ces thèmes-là et la manière dont on les aborde, c'est conditionné à ce que sont les médias, enfin, qui sont les médias, aux personnes qui font vivre les médias et qui viennent quand même tous relativement de la même classe sociale. Alors encore une fois, moi j'ai... dans les grandes rédactions parisiennes, je ne sais pas comment ça se passe. À Paris, moi, j'ai surtout travaillé dans des rédactions où les gens étaient jeunes, en moyenne, donc où ils avaient une vision plus ouverte des choses et où c'était beaucoup plus libre, où justement, l'idée était un peu de laisser la jeunesse s'exprimer, de laisser des nouvelles idées pénétrer le monde du journalisme et des médias. J'ai plutôt pu voir ça dans le grand appareil régional, qui était Le Progrès, et où, effectivement... Là, il y a totalement une résistance, une réticence au changement. Après, je ne sais pas si c'est lié au fait que ce soit de la presse régionale, qui fonctionne selon un modèle quand même assez particulier, ou si c'est lié au fait que, effectivement, ce soit un grand appareil. Je pense qu'il y a un peu des deux. Mais effectivement, il y a de toute façon quelque chose qui, après, hors même de la question de la diversité, est aussi une question de différence de génération. C'est-à-dire qu'il y a une ancienne génération de journalistes jusqu'à, allez, on va dire, ceux qui peuvent avoir à partir de 40 ans aujourd'hui, qui sont des gens qui ont connu des CDI, qui ont eu des situations beaucoup plus stables. Et il y a une nouvelle génération de journalistes qui arrivent sur le marché, qui sont totalement précaires, pour qui ça va être très très dur d'avoir une place solide, qui vont être toujours les fusibles et les variables d'ajustement. Et c'est vrai que pour eux, bah,
c'est plus compliqué d'imposer leur vision, justement, parce que c'est des gens qui viennent, qui partent, qui sont absolument pas ancrés dans l'endroit où ils sont, parce qu'ils savent que ça va être les premiers à sauter si quelque chose ne va pas, et que les anciens ont du mal à lâcher la bride, en fait, et ont du mal à lâcher le poste. Voilà. Mais me semble-t-il, hein, après, ça reste ma vision. C'est... Penses-tu qu'il faille une alliance, une espèce de fédération des médias indépendants pour devenir plus fort, à un moment donné? Si les médias, l'avantage des médias indépendants, en fait, justement, c'est leur indépendance. À partir du moment où ils s'associent, il pourrait y avoir peut-être une période d'émulation où ça leur permettra de gagner en influence, de gagner en voilà, et puis de marginaux, ils finiront par devenir mainstream, comme un peu toutes les choses comme ça qui démarrent, qui au début sont nouvelles, font souffler un vent de fraîcheur, et puis ensuite acquièrent une position dominante. Je pense que le propre quand même d'un média indépendant, c'est de garder son autonomie. À partir du moment où on devient vraiment une référence, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de dire, où il va falloir qu'on adopte un ton plus consensuel, quoi qu'il arrive et quoi qu'on en dise. Donc je pense que ça peut être bon pour eux individuellement, pour pouvoir faire valoir leur point de vue et pour pouvoir s'imposer dans le monde médiatique. Mais dans ce cas-là, il faut savoir qu'il y a une nouvelle génération qui devra prendre la relève derrière pour être les médias indépendants de demain. Amanda, dernière question. Donc tu penses que tu peux pas devenir, tu peux pas avoir une force de frappe assez grande sans perdre ton identité médiatique et sans perdre une originalité médiatique que tu viendrais apporter. Si tu peux le faire, il y a par exemple des gens comme l'équipe de Mediapart qui ont réussi à le faire, qui ont farouchement préservé leur indépendance. Depuis 2007 maintenant, donc ça fait quand même une dizaine d'années que l'aventure dure, et ils le font, c'est excellent. Moi, pour moi, c'est ce qui se fait de meilleur en France dans le journalisme. Maintenant, tout le monde ne peut pas être Mediapart. Mediapart, il y en a un. Et puis Mediapart, à un moment ou à un autre, je pense, à force de d'imposer leur style, ils finiront d'une façon ou d'une autre par devenir... Après, il ne s'agit pas de dire mainstream ou pas. Pour moi, il n'y a pas de connotation négative dans le fait d'être mainstream. D'ailleurs, tant mieux si le journalisme à la Mediapart se met à devenir un peu le standard du journalisme. Enfin, ça ferait le plus grand bien à la profession. Mais il y a un moment où, de toute façon, un journal comme ça ou un média comme ça, il peut y en avoir un, deux... pas plus, pour les petits médias indépendants, et encore, c'est quand même déjà des journalistes talentueux qui ont déjà fait leurs armes. Pour les petits médias indépendants qui laissent une nouvelle génération de journalistes émerger, qui les laissent sortir, qui acceptent d'intégrer des gens qui vont faire leurs armes chez eux, qui ne seront pas forcément expérimentés déjà, il faut que ce soit des plus petites structures, il faut que ce soit des choses qui soient qui soient dans la position de challenger, en fait. À partir du moment où ils arrivent dans la position de champion, je pense qu'ils perdent cette particularité, cette spécificité-là d'être des portes d'entrée, qui laissent entrer des nouvelles idées, qui laissent entrer des nouvelles personnes, etc. Je ne dis pas que c'est totalement impossible d'être indépendant quand on est dans une espèce de position dominante, mais il peut y en avoir un, deux, peut-être, enfin pas plus. C'est ce que je pense, hein, encore une fois, je ne sais pas. Alban, nous te remercions pour ton avis. Je vous remercie de m'avoir posé la question. Très bonne continuation. Merci à vous aussi, bon courage. Merci.
les choses avec le Bondy Blog. Nous sommes à Bondy, évidemment. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le Bondy Blog, c'est un média en ligne qui a pour objectif de raconter les quartiers populaires et de faire entendre leur voix dans le grand débat national. Il a été mis en place en 2005 par le magazine suisse L'Hebdo après les émeutes de banlieue. Rappelons aussi que le Bondy Blog, c'est 600 articles par an, 50 émissions du Bondy Blog Café diffusées sur France OLCP, 30 émissions de radio produites et publiées sur leur site, 20 000 abonnés sur Twitter, 15 000 personnes qui suivent leur page Facebook. 35 000 maintenant. Mais oui. Excusez-moi, vous aussi, mais on était à réactualiser vos informations. Non, vous n'êtes pas parti à la sauce. Vous allez à la sauce Twitter. Voilà, désolé. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Après cette longue journée, voilà. Qui n'est pas finie encore. Parce que tu dois t'en aller à un moment donné, mais la caméra ne le filmera pas. Que tu vas t'éclipser. Donc je vais vous poser la question déjà. Bah, présentez-vous et dites-moi un petit peu vos fonctions au sein du Bondy Blog. Je commence. Alors, je suis Sarah Ichou. Donc, je suis reporter au Bondy Blog depuis 2010 exactement. Et donc, au Bondy Blog, j'écris des articles, je réalise une émission radio qui s'appelle Vie scolaire, et je chapeaute avec une grande équipe les réseaux sociaux. Justement, donc d'où les 35 000 abonnés. Alors, moi, je suis Leïla Kouel, je suis la rédactrice en chef adjointe du Bondy Blog. Depuis septembre 2016. Et bienvenue à vous, puisque je n'ai pas souhaité la bienvenue tout à l'heure. Merci. Moi, je m'appelle Cozy, je suis journaliste au Bondy Blog depuis 2012 et je suis devenu président depuis juillet. Voilà. Et moi, c'est Nassira El-Mouadem, j'ai 32 ans, je suis journaliste et directrice du Bondy Blog depuis septembre 2016. Et je chapeaute donc toute cette merveilleuse équipe que vous venez de voir. Quelques mots, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la genèse du Bondy Blog? Pourquoi? Comment? Dis-nous tout. Oui, alors le Bondy Blog, il est né, comme tu le disais, en 2005, à la suite des révoltes dans les quartiers populaires, à la suite de la mort de Ziad Bena et Bouna Traoré. Donc les deux adolescents de Clichy-sous-Bois qui sont morts électrocutés dans un transformateur EDF. Et en fait, c'est une démarche originale qui a amené à la création du Bondy Blog. Ce sont des journalistes suisses du magazine Hebdo dont tu as parlé, qui n'existe plus, puisqu'il a fermé il y a quelques mois pour raisons financières. Et donc, ils sont venus, ces journalistes suisses, pour couvrir tout simplement les révoltes dans les quartiers. Et au lieu de venir quelques jours, comme on fait tous, nous, reporters, quand on va sur le terrain et quand on va à l'étranger, par exemple, parce que pour eux, c'était l'étranger, pour couvrir des situations, ben, eux, ils ont décidé tout simplement de rester plusieurs mois. Ils se relayaient. Ils se sont installés dans un local à Bondy et ils ont créé le Bondy Blog version 0. Et ensuite, la deuxième démarche originale, eh ben, ça a été de transmettre en fait, le Bondy Blog aux habitants de Bondy, puisque plutôt que de fermer le Bondy Blog en partant, ils ont vraiment eu cette démarche de transmission. Et donc nous, on est les héritiers de ce Bondy Blog version 1. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, on a la version 2 et peut-être que demain, il y aura la version 3 avec Sarah et avec d'autres. À un moment donné est né le Bondy Blog Café, qui a fait beaucoup d'émules et bon, qui a disparu récemment. Mais j'ai entendu dans un bruit de couloir que peut-être que ça va se remettre en place. Ah bon? Peut-être. Vous avez plus d'infos que nous alors? Peut-être, on sait jamais. Bah écoutez, je sais pas, nous on n'est pas au courant en tout cas. Monsieur le Président, dis-nous un petit peu le Bondy Blog Café, comment est née cette idée? Alors, je ne sais pas exactement comment est née l'idée du Bondy Blog Café, mais le but était de réunir autour de la table un politique. Avec trois blogueurs du Bondy Blog et c'était un face-à-face pendant 52 minutes. Donc il y avait des pastilles vidéo avec la conférence de rédaction où tous les blogueurs étaient réunis. On faisait réagir les blogueurs sur deux thématiques liées à l'actualité et surtout à ce que le nom de l'invité évoquait aux blogueurs en général. Et ensuite, donc, comme je vous ai dit, c'était un politique qui était face à trois blogueurs et c'était des échanges, des débats, des questions. Mademoiselle, on sait qu'en termes de, au niveau des intervenants qui étaient au Bondy Blog, ils étaient très très pointus, en tout cas en termes de culture politique. Vos intervenants, ils étaient triés sur le volet. Les blogueurs qui les interrogeaient, ils étaient triés sur le volet parce que les gars étaient très pointus et
Et c'était de la bagarre, c'était du versus, mais du... Mais c'est ça qui faisait la richesse du Bodyblock Café, c'était vraiment le ton qui était donné à cette émission politique, et c'est pour ça que c'était vraiment regardé par les jeunes, et ils nous suivaient pour ça, parce qu'on osait poser des questions, on était francs en fait dans ce qu'on disait, et puis on bousculait les politiques, ce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de... Voilà, ils n'ont pas l'habitude quand ils sont invités sur des plateaux télé d'être bousculés comme ça. Après, toutes les questions étaient... pertinentes, elles étaient posées dans un contexte particulier, et puis les blogueurs qui intervenaient étaient évidemment préparés à fond l'émission avant, pendant une semaine, voire plus, ils étaient coachés par Nordine Abili, le directeur de l'époque. Donc ouais, il y avait une vraie préparation en amont, et puis ça s'est toujours bien terminé, hein. On n'a jamais été fâchés avec les politiques. Hein. Parce qu'ils avaient une vraie pertinence qui frisait d'insolence à un moment donné, et il faut qu'on se dise, parce que disons-nous les choses, c'est le nom de l'émission. L'émission avec Christiane Taubira m'a fait mal quand même. Parce que je ne dis pas qu'il faut lui faire un traitement de faveur. Et je dis quand même qu'ils sont allés quand même fort. Quand même. Non, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qu'on oublie, c'est que les journalistes viennent avec leur subjectivité. N'importe quel journaliste, vous entendez Apolline de Malherbe interviewée sur BFM, et vous entendez un autre d'ailleurs journaliste ou une autre journaliste interviewer n'importe quelle politique, il n'y a pas d'objectivité. Il y a de l'honnêteté, il y a de la transparence, j'espère en tout cas, mais il n'y a pas d'objectivité. Chacun pose des questions en fonction de son vécu, en fonction de sa culture, en fonction de ce qu'il a vu quand il a été jeune, ce qu'il a lu comme livre, voilà, dans quel milieu il a baigné. Et nous, c'est pareil, je veux dire, on n'est pas des journalistes différents. On est peut-être différents parce qu'on a peut-être d'autres référentiels. Mais au fond, on a aussi baigné chacun d'entre nous dans sa propre culture. Donc nous, on arrive en plateau avec cette culture-là. Et donc cette culture-là, c'est effectivement la culture, non pas de l'insolence, parce que moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais de l'impertinence, de l'irrévérence. De se dire qu'on a face à nous des gens qui sont coachés en communication, qui savent très bien là où aller. Ben, nous, on veut les amener ailleurs. Et en général, on y arrivait. Quand je parle d'insolence, c'est vraiment par rapport à l'émission avec Mme Taubira qui a... Comment dire, non, mais c'est quelque chose qui est souvent revenu. On a souvent eu des gens qui, effectivement, ça, disaient... C'est les retours, quoi, de beaucoup de gens qui... On a souvent eu des gens, et à juste titre, peut-être, en tout cas, c'est le ressenti des gens, et on ne peut pas leur enlever, en disant, ouais, là, vous avez été un petit peu dur. Ben ouais, mais en même temps, voilà, il y a un journaliste, il a des questions à poser, il les pose avec toute la dimension personnelle qui est la sienne. Et c'est ça aussi, je crois, qui faisait le charme et qui fait le charme du Bondiblog, parce que c'est le Bondiblog Café, mais en réalité, c'est l'essence même et l'ADN même du Bondiblog. Aujourd'hui, quand on reçoit des politiques, non plus sur des plateaux télé, mais quand on les reçoit ici, ou quand on fait nos vidéos qu'on poste sur YouTube, c'est exactement la même chose. On y va avec le sourire quand c'est sur des sujets un peu décalés, légers, et on y va à la castagne respectueuse, mais la castagne quand même, parce qu'on sait que c'est un match de boxe quand on fait une interview politique, et parce qu'on a envie d'avoir nos réponses à des questions qui, en général, ne sont pas forcément posées par les intervieweurs traditionnels. Donc oui, c'est de l'impertinence, c'est peut-être de l'insolence si vous le voulez, mais c'est de la bonne insolence en tout cas. Moi, ce que je tiens à souligner, mais pour ne pas que, voilà, que c'était une première que des gens issus de quartiers, comment dire, utilisent une telle verve pour interpeller les politiques, et en plus en connaissant leur programme politique presque par cœur. Mmh. Et c'était vraiment honorable et respectable. Il ne faut pas l'utiliser au passé, j'insiste. Mmh. Là, vous parlez du Bondiblog Café, mais on le fait dans nos papiers, quand on interviewe des personnalités politiques, on le fait dans nos vidéos, quand on reçoit ici, on a reçu les candidats à l'élection présidentielle, Benoît Hamon, Philippe Poutou, Arnaud Montebourg, on les a reçus, et on leur a posé toutes les questions qu'on voulait avec le temps qui est le nôtre. Donc ça ne s'arrêtera pas, parce que c'est l'ADN du Bondiblog. Si ça s'arrête, le Bondiblog s'arrête. Le Bondiblog n'est pas prêt de s'arrêter, donc ça ne s'arrêtera pas. Et pourquoi, je vais te poser la question à toi, pourquoi cette émission s'était arrêtée? Alors, je ne suis peut-être pas la personne à, non, mais plus à même à y répondre. Je vais répondre à ça parce que c'est plutôt du côté de la direction. Pardonne-moi Sarah, mais tu n'as pas les éléments. Non, mais carrément, donc, il y a eu un moment où les diffuseurs, notamment LCP, considéraient qu'elle n'avait plus envie, pour quelle raison il faut se tourner vers eux, de diffuser cette émission-là. Donc nous, on a pris acte de cette décision, et puis on a continué notre chemin en continuant à faire de l'interview politique à notre façon, sur notre plateforme, sur YouTube et sur le Bondiblog.